Chinmaya Gurave Namaha. Est-ce que Bhagavad Gita fin dépassé? Tout le respect pour sa tradition de tous les temps, pour sa tradition continuelle, professeur à ce bandissime, sa principe qui nous appelle Dharma éternel, la droiture, la vraie conscience. Idéalement, sa tradition-là lui enseignait dans le silence. Plus tard, lui enseignait à travers Bansi, après vos paroles, et maintenant dans un texte. Mon salutation à tout Bansi à ceux assoiffés pour écouter et en prendre Gita, le sommet même de la paix pour la famille humaine. Est-ce que Gita est la réponse pour tout problème humain? Est-ce que Gita est la solution pour tout problème du monde? À nous réfléchir, comment Gita est capable d'aider-nous faire face dans nos bons problèmes et aide-nous pour continuer dans nos chemins. Ensemble, à nous essayer de comprendre la base même, la fondation de ce qu'il nous appelle Sanatana Dharma. Il y a quatre Védas, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharvana Veda. Et aussi deux grandes épopées, Ramayanam et Mahabharatam. Aussi Puranas, bonnes histoires anciennes avec bonnes valeurs éternelles. Mahabharata, un de sa déité Asasa, lui contenir 100 000 couplets. Qui souvent nous appelle Panchama Veda, cinquième Veda. Mahabharata l'est approprié pour tous les temps, l'est complet, l'est montré tout défi de l'humanité. Nous appelle ça Mahabharata là, Jayam, victorieux. Je veux dire, ce qui peine dans Mahabharata pourra trouver ailleurs, n'est pas existé ailleurs. Au milieu de Mahabharata est dans Gita, Bhagavad Gita. Un discours par professeur Bhagavan, Sri Krishna, à ses élèves Arjuna, le prince Pandava, qui représente l'être humain de tous les jours et avec tout ce ramènement de la vie. Gita fit enseigner loin de son bataille, lui appelle Dharmakshetra. Le champ de bataille, là, lui est une occasion unique pour toute la race humaine. Et surtout, pour nous, bonnes jeunes, pour qu'ils apprennent et connaissent comment vivre ce dharma-là et amène la vie de droiture. Gita contenir 18 chapitres, qui est un voyage de l'être universel pour transformer un timoun faible et déprimé en un timoun fort et courageux. Arjuna, pour bien faire la guerre, compte sur une propre tendance négative et sur l'ignorance pour atteindre la paix et rétablir la fraternité et l'humanité, c'est-à-dire Dharma. Gita a commencé avec une parole de sa le roi Dhritarashtra, l'aveugle, qui représente Ban Kavravas. Il a saisi le trône et lui demande Sanjaya à se coucher. Dis-moi, qui peut passer entre Ban Pandavas et mon propre Timoun? Ban Kavravas. Qui ban enfants Pandu et mon ban Timoun qui ont envie de la guerre et faire recherchant de bataille? Le roi Dhritarashtra, aveuglé par son attachement, pour ce bon garçon, plus fardeau l'injustice qu'il fin faire contre ban Pandavas, fin crasé par doute et la frayeur malgré ce soi-disant supériorité. Étant donné l'aveugle, qui signifie qu'il n'y a pas ni discernement, viveka, ni vairagam détachement, pour agir. Comment bien, comment bizarre. Donc, il n'est pas réussi à vivre en harmonie avec Dharma, la droiture et la justice.
Quand tu n'es pas en accord avec Dharma, il amène sa grain et tout en lui-même. Il y a n'importe puissante bataille, il y a tous les temps beaucoup de tapas entre ben l'armée. Et au milieu de cette tapas infernale, Arjuna, qui est impatient pour commencer la guerre pour la justice, lui invite Sri Krishna pour amener son sario au milieu de sa délarmée. Arjuna lui appelle Sri Krishna et Achyuta, qui signifie un jimun qui est conditionné ni par les temps, ni par l'espace, ni par la qualité. Achyuta amène Arjuna face à face devant tout souvent grand professeur comme Bhishma et Drona. Arjuna, parce qu'il croit qu'il y a un grand héros de ce temps et qu'il a une envie pour la victoire, lui rentre dans une dépression et lui dit Krishna. Quand je trouve mon bandimoun allié devant moi pour la guerre, mon lame, mon pied affaibli, mon bouche sec, mon écho tremblé, ben sévé le moléco dressé. Moula qui paie sa paix de mon ami. Moula peau paie brûlée. Mon pas capable au reste du bout et pour faire la guerre. Et mon esprit paie viré. À partir de là, Arjuna lui rentre dans une grande dépression. Livine hystérique et lui dire. Bon, pas pour la guerre. Là, Arjuna fait noyer dans sa graine et il commence à rabasser pour justifier ce foyer. Il refuse d'y bouter pour que la guerre existe. À partir de là, Sri Krishna continue une conversation pour expliquer à Arjuna si mes dharma et que faire le nécessaire qu'il d'y bouter. Et amène en la guerre juste. Sri Krishna dit, Arjuna, tu peux gueuler pour ban qui pas mérite sympathie, mais en même temps, tu peux cause grand causer. Tu connais qui ban grand jimoun, ne pas plaigner et pleurer, ni pour ban vivant, et nous pour ban ceux qui finent mort. Arjuna, tu peux comporter au niveau de son ego et à travers son action faite par l'ego, l'esprit et l'intellect, il parvient à reconnaître sa vraie nature, son propre lui-même. Et là, Sri Krishna Jivanli prend conscience de ça. Et Sri Krishna dit à Arjuna, écoute ça, la conscience de la vie, jamais n'y prend naissance, et jamais l'immort, jamais l'inné, l'éternel, n'est pas changé, il est toujours là, et pas mort quand ça les corps est tombé. Ce Krishna continue son discours en ce qui concerne son devoir dans l'action, et dit à lui ça, faites au devoir la cause les meilleures qui négligence. À cause même pour nourrir tous les corps, action nécessaire. Juste après sa déclaration-là, Sri Krishna explique un principe fondamental de sa Sanatana Dharma, la tradition éternelle. Mouvement le monde, il dépanne l'action, et parmi une bonne action qu'il fait dans sacrifice. Alors, Arjuna, fais sa bonne action là dans l'esprit sacrifice. Ça pour libérer toi de ton bon attachement. Dis-moi qui vit en harmonie avec sa mouvement de l'action dans l'esprit sacrifice, puis contribuer à l'harmonie. Contrairement à ben action égoïste qui amène division, douleur et sanglant.
Et là, ce Krishna explique quelle manière l'esprit de sacrifice est une prothèse et lui dire clairement. Sa connaissance-là fut transmettre de génération en génération. C'est un savant royal qui tu gardes ça. Même sa discipline-là fin perdir zoti à travers les temps. Et prantapa, qui signifie destructeur de banani. Shri Krishna dit, sa discipline éternelle là, a zoti moi père enseigne toi, parce qu'il est mon disciple et aussi mon camarade. Il y a un secret suprême à travers une déclaration directe sur Krishna à montrer Arjuna, sa simile. En même temps, d'une façon claire, l'y insister. Ce n'est pas sa propre conscience qui un timoun lève lui-même par lui-même et abaisse lui-même par lui-même. Sa conscience à la fois, son meilleur camarade et son propre pire ennemi. Dans nos traditions, personne pas blâmé pour sa défaite, ni aussi mérite éloge pour son succès. Sri Krishna, lui-même, la conscience pure, connaît Kisanna pour rentrer dans sa bonne simila, qu'il appelle le Dharma, et réalise sa propre conscience. Sri Krishna continue sa explication. Et les dieux. Parmi les milliers et milliers de Timoun, par sens, il y a un qui décide pour la perfection. Parmi les milliers et milliers de Timoun, par sens, il y a un qui décide pour la perfection. Même parmi ces sœurs-là, il y a un seul qui de foi qu'avoir connu moi la conscience pure. Sri Krishna explique ça l'enseignement là et lui dit l'envie, la colère, la gourmandise, c'est un destructeur de sa conscience là. Et Dieu bizarre abandonne sa trois ennemis là. Lui expliquer. Il appelle Arjuna et grâce au Kunti, un divin qui vient libérer de sa toile ennemie, là, il appelle l'obscurité de l'ignorance, il pratique ça. Ce qui est bon pour lui et pour qui il y arrive au but suprême. Mais ce Krishna donne un avertissement. Sa divin qui résette principe de sa bonne écriture sacrée là, il peut agir sous l'impulsion, bien l'instinct de ce désir, il n'est pas pour connaître ni la perfection, ni le bonheur, et ni le but suprême. Et Krishna, il continue et y expliquer, il dit, donc, qui l'écriture sacrée vient pour toi l'autorité pour décider qui besoin faire et qui bisa invité. Quand nous récits connaît que les chrétiens sacrés l'idée, nous bisa agir ici, dans ce monde-là. Ce Krishna invite Arjuna. Il lui offert toute bonne action au niveau de l'école, l'esprit et l'intellect, à moi-même, et vint dans mot protection. Ça pour libérer toi de toute bonne imperfection et de vous arrêter de souffrir. Et là, Sanjaya, qui comme on nous connaît, est un observateur honnête, lui dit, là, à côté Krishna a été le maître de la discipline et Arjuna, la personne qui vient pareil pour prendre ses mains de dharma,
ça dit là le présent. Que tout présent, et dans la prospérité, la victoire, le bonheur, et toute bonne discipline propre. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shantihi. Hari Om. Our aspiration is to provide maximum happiness to the maximum number of people for the maximum time. For this purpose, we have developed an app called Gita 365. Every day, the user will receive a 2 to 4 minutes message from the Bhagavad Gita in the unforgettable words and voice of Pujya Swami Chinmayananda. Those few personal minutes with the inimitable teacher and listening to the melodious chanting of the selected verses can uplift and enhance our everyday experience throughout the year.